c'est la question, mais pas vraiment une réponse directe. Ma question était la suivante. Effectivement, je pense que M. Corallaire, en montrant son téléphone, montre une des solutions de demain. Aujourd'hui, contrairement à ce que dit monsieur, moi j'habite Toulouse et je n'ai pas le sentiment d'avoir dans la poche, comme tout le monde ici, avec mon BlackBerry ou mon iPhone, une vraie solution multimodale. Si j'arrive à Toulouse et que je prends le métro et qu'après je peux prendre un Bélib ou un Autolib à Toulouse, c'est vraiment très très compliqué. Donc ma question était la suivante, quelle est de votre point de vue, Orange va dire que c'est bien évidemment eux, mais quel est le futur agrégateur de ces services? Quel est celui qui va faire l'infrastructure de demain? Est-ce que c'est un Vinci qui aujourd'hui a de grosses infrastructures? Est-ce que c'est un Google qui aujourd'hui gère de l'information? Même si au final, l'objet que l'on va avoir sera probablement le téléphone, la question que je me pose, c'est qui va assembler tous ces éléments, au même titre que Intel et Microsoft ont réussi à assembler toute l'informatique sur une plateforme unique. Je ne suis pas là. Merci.